Petit point de sauvegarde quand même. Et gare de Riverside, c'est à nous. Hello. Oh, il y a un badge là-haut, il me le faut. Par contre, comment est-ce que je vais le récupérer? C'est une grande question. A quelqu'un? A quelqu'un? Ah, personne. Quelqu'un? Hop. Hop. Ok. Non, attendez. Comment ça marche encore? Comme ça. Voilà, hop. Hop. Ah, un escalier! Ok. Non, pas coup de tête, tant pis. C'est pas grave. Je fais ce que je veux! Si je veux gueuler, je gueule! C'est un onf pouf! Le nom ressemble à celui des Zoupouf. Alors attention, encore que tu n'aies pas grand chose à craindre dans un cas comme dans l'autre. Il ne fait que t'attaquer direct, mais il s'électrifie et peut lancer des éclairs. Et puis une fois électrifié, tu te prends des dégâts si tu le touches. Ok. Ah ben voilà, monsieur s'est électrifié. Donc on va se mettre en défense. Aïe! Mais aïe! Non! Non! Ah! Mais d'où il sort celui-là? Ouch. Ha! Chez! Oui! Un level en plus! Alors, on va prendre les badges. Pour l'instant, niveau fleurs et vie, on est pas mal. Ok.
Toujours vérifier qu'il n'y ait pas une trappe quelque part. Ça n'a pas été évident. Zut! Bon, en plus, si je commence à tomber avant même d'atteindre la première. Mais! Putain! Voilà! Pas compliqué au bout d'un moment. Alors. Il y a une clé là, ok. D'accord. Ah mais non, je suis bête. Il me faut pas Yoshi. C'est pas Yoshi qu'il me faut. C'est Kopek. Voilà. Plus simple comme ça. Ok, hop là, ça c'est fait. La clé. Hop. Oh. Tap, tap, tap. Ah! But. Coucou Dradra! Ça va, ça va. Je suis toujours malade, mais ça va. C'est un poké poison. Comme son nom l'indique, c'est un poké venimeux. S'il t'empoisonne, tu perds tes points de cœur petit à petit. Tu parles d'un enquiquineur! Tu as certainement remarqué qu'il est plein de pics. Donc, ne saute pas dessus! Il a beau sourire, ne baisse pas ta garde. Raté. Non, poison. Ah, dommage. Pas grave. Boum! Thank you.
Non, raté. Pognon! Oh! Soleil. Ah mais ouais, c'est la... c'est l'attaque explosion. Mais il a de la chance, contrairement aux Pokémon bombe, contrairement aux Pokémon qui peuvent faire explosion, lui, il meurt pas. Il est immortel, lui. Oh, il est arrivé de nulle part, celui-là! C'est exactement ça! Omae wa mou shinderu nani! Ah merde! Ou bien le Togepi qu'il utilise... peut-être. Dans un Nuzlocke. Ouais, j'avoue! C'est pour ça que mettre un dans un Nuzlocke, c'est peut-être pas une bonne idée, en fait. Par contre, maintenant que j'ai récupéré des trucs pour les badges, je devrais peut-être remettre le badge demi... Oui. Ne peut plus courir, c'est pas ralenti. En fait, techniquement, celui-là, je pourrais le mettre parce que vu que j'ai le badge qui me permet de sauter sur les trucs à pic, je pourrais très bien me passer du marteau. Mais le marteau, il est quand même vachement puissant, en fait. Donc, sommeil, vite poche. Ah oui. Bouclier pic, voilà. PC+. Attendez. Donc double dégâts, non, évidemment. Où est-ce qu'il est? Attendez, où est-ce qu'il est mon badge qui me permettait de diminuer les... où est-ce qu'il était le badge qui me permettait de diviser par deux mes points de fleurs? Alors déjà celui-là il peut être pas mal aussi. J'avais un badge qui me permettait de diminuer mes trucs par deux. Attendez. Je suis pas folle quand même. J'avais un badge qui permettait de diminuer mes points de fleurs par deux. Mais si, il me semblait que j'en avais un pourtant. Ah non, non, voilà, c'est celui-là en fait. Non, pardon, pardon. Oui, voilà. Donc en fait, je l'ai déjà, mais il divise pas par deux, il m'enlève un... Ok, c'est juste que j'économise un point de fleur, c'est ça. Ok, non. Dans ma tête, c'était celui-là que je pensais, mais non, voilà, ok. Donc il me reste trois points que je pourrais peut-être utiliser quand même.
Qu'est-ce que je pourrais mettre pour 3 points? La batte fleur ou... Enfin, la batte feu, ouais, peut-être. Vide poche. Vide poche qui pourrait être pas mal, en fait. Hein. Les ennemis font tomber plus d'objets, ça pourrait être pas mal. Ou alors, on prend plus de points de cœur, ou justement, ça pourrait être pas mal aussi. Alors on va prendre ça pour l'instant et au besoin, si on s'approche d'un boss, on prendra plus de vie. Coucou Ulti, comment vas-tu? Oh, dommage. Bah moi, car Arteus, ça veut dire boy tout le temps. Quoi? J'ai pas compris. Ça va, je finis le boulot afin d'être enfin en vacances. Cool! Ah, d'être enfin en vacances. Ok. Bah, c'est cool. Allez, tu dégages, toi. Tu dégages, j'ai dit! Ok. Oh, y a un badge là-haut. Ok, il y a un badge là-haut. Oui, c'est... Attendez. Ok. C'est parti. Donc on a déjà vu deux badges. On a des badges à récupérer, on les a vus. C'est pas correct.
Voilà. Il a fait venir un copain. Il a fait venir un copain. Au revoir le copain. Oh, un pot. Ah, le popo, il m'intéresse. Viens, le popo. Non! Ah, le popo! Non! Bon. Il a raté le popo. C'est parti! Youhou! Ok. Et je fais quoi maintenant que je suis là? Non, je suis coincé. Mais il y a pas de wall jump. Il y a pas de wall jump en fait. C'est pour ça que je me pose la question. Non mais allez. Attendez. Je peux sauter en rouleau? Ah ouais, ok. Ça va alors. J'ai eu peur. Je dis non, le jeu va quand même pas nous bloquer à un endroit, quoi. C'est pas possible. Ok, ça va. J'avais jamais essayé de sauter en rouleau, en fait. Ok, d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. D'accord, ok. D'accord, c'était justement une dead zone, en fait. Ok. J'ai été directement dans la première dead zone, moi. Hop. Alors, hop. Et hop là. Ok, je suis passé au-dessus du trou, c'est magnifique. Hop. Hop. Mais j'ai pas joué à Metroid. J'ai pas joué à Metroid. Oui, j'avoue, j'ai l'initiative, c'est génial ça. Paf. Entre les 15 jeux Mario, t'as bien le temps. Ouais, j'avoue. C'est bien, garde-les précieusement. Dommage. Ok. Ok. Voilà. Ouh, ils sont 4.
Oui, moi aussi j'ai Zelda édition collector en boîte et en parfait état. Explosion! Ok, donc on n'a pas pris le bon chemin. Hop, de retour, on recommence. Je sais. Je sais. Yop là. Yop là. Ouais, non, 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 non. Hop là. Yop là. Hop, hop. Ok. Ouais, non, ouais. Ah! Je suis encore dans la poubelle! Non! Ok, je pense qu'on voit de quel côté il faut aller pour le coup. Hop là! Ah! 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 Hop là! Non! Non! Oh, j'ai aussi une belle collection de jeux de mon côté. Hop. Et hop. Et hop là. Et hop là. Voilà, hop. Ok, tac, tac, tac. Hello! Aïe! Non, faut pas descendre par là, tant pis pour les pièces. Hop. Poum 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 poum. Alors, où c'est qu'on est ici? Oh, il y a une jolie clé là-haut. Bah, je pense qu'on a compris ce qu'il fallait faire. Hop. Yoshi! Hop là! Bah, y a encore, on passe là? Non, on passe pas là. Ah, je sais. Je sais ce qu'il faut faire. Il nous faut le coffre noir. Là. Oui oui, Dradra il est dans le jeu, bien sûr. Hop, hop là. Aïe. Je suis à un point d'XP de d'avoir un nouveau level. Oh, champignon! Champipi! Et voilà. À prendre de la vie. Si ça ne te plaît.
plaît pas, mon cher Fable. Tu peux t'en aller, tu sais, la porte, elle est là, hein. Ok, donc... Ah! Ok. Donc quoi? 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ok! Étape, étape, étape! Étape. Ba-ba-da-ba-ba-da-da-da. Oh, il y a un soleil. Je fais ce que je veux, je suis chez moi d'abord. Non mais oh. Je suis heureuse de te revoir. Voici les Ultrabots. Ta puissance de saut augmente encore plus, Mario. De plus, tu peux utiliser une nouvelle technique de saut. C'est un peu difficile, mais avec un peu d'entraînement, tu y arriveras. Pendant que tu maintiens A, appuyé, fais tourner le rond, enfin le truc, et ton corps se pliera. Relâche A et tu feras un saut ressort. Attention de bien faire tourner plein de fois avant de relâcher A. Ok, donc... Attendez. Attendez. Maintiens A enfoncé, fais tout. Ah, ok, d'accord, voilà. Yahoo! Avec le saut ressort, tu peux atteindre des tuyaux très hauts et t'y accrocher. En bougeant. Blablabla. Ok. Je suis au point. Ok, blablabla. Tais-toi. Tais-toi! Voilà! Voilà! Attendez, il faut que je me mette là. Hop. Hop. Voilà, hop. Hop. Hop là! Et voilà. Donc voilà. Donc maintenant, il me faut à Yoshi. Enfin, à Dradra. Hop. La clé, Yoshi! Prends la clé! Bah allez! Aïe! Aïe, ça fait mal! Attendez. J'ai quelquefois mon joystick qui a du mal à tourner correctement. Ok, donc on a la clé-clé. On a la clé-clé. Donc maintenant... T'as du Joy-Con Drift. Ouais, un petit peu. Ma manette commence à se... Ma manette commence à avoir un peu de mal, hein. Je t'ai même abandonné d'une pièce à l'autre, hein, disons-le clairement. On va pas se refaire tout le chemin.
Hop là. Je ne l'avais pas vu, ce passage. Et je pense que maintenant, on peut récupérer le badge qu'on avait vu au tout début de la zone. Parce qu'il y avait sûrement un tuyau sur lequel s'accrocher. Non? Ah ben non, mais on va juste faire ça, en fait. Voilà. Alors, c'est quoi ce badge? Badge chaud devant. Ok, bon bah pour l'instant c'est pas un badge très intéressant. Voilà, clé ascenseur, voilà, hop. Oui mais je suis sur PC en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que je suis sur PC. Oula. Gonzalez, ma... c'est quoi ça? Si ça se trouve, ce sont ces trucs qui ont activé l'interrupteur. Bah, on leur botte les fesses si on actionne l'interrupteur. Certes. Ah. Ah, attendez. J'ai l'impression qu'on peut pas se débarrasser de tout le monde, j'ai l'impression. Ok, ils sont partis. Oui, c'est des bouboules de suie du voyage de Chihiro. Bah allez. Eh oh. Ah. Le bouton. Le voyage de Mario, exactement. Une jolie gare, n'empêche. Hein. Ok. On se tire. Alors, un petit point de sauvegarde quand même, parce que ça c'est fait. Et on va pouvoir remonter dans le train.